Merci Monica. Effectivement, le choix de cet objet, de ce casque de fer que vous voyez sur scène aujourd'hui, a été dicté par ces deux critères. D'une part, le désir de faire quelque chose pour mettre en écho la présentation de la collection de Robert Wilson à la Chapelle avec quelque chose du musée et évoquer la figure d'un artiste collectionneur, pas seulement artiste collectionneur, mais artiste qui collectionne parce qu'il en a besoin pour créer, qui est la position de Robert Wilson. C'est la manière, c'est ce qu'il explique de sa manière de collectionner, parce qu'il a besoin d'être entouré de ces objets qui sont une source d'inspiration littérale ou beaucoup plus simplement de l'ordre de la suggestion. Et il se trouve que c'est la manière dont Pierre Réval, au début du 19e siècle, vivait au milieu de ces objets. Vous verrez qu'il nous a transmis beaucoup d'autres choses. Ce n'était pas un collectionneur d'armes, d'ailleurs. Presque aucun de ces grands collectionneurs du 19e siècle qui ont eu des armes ne sont des collectionneurs d'armes. Ils s'intéressent aux armes parce qu'elles portent du décor et qu'elles sont des éléments de cette civilisation de la Renaissance qu'ils essayent de reconstituer. Mais j'ai choisi donc une arme, justement, dans l'optique donc de la publication de ce catalogue de nos armes et de nos armures qui va apparaître dans quelques mois. Qui est un domaine, je dois dire, particulièrement négligé de nos collections, enfin qui n'avait reçu aucune attention dans son ensemble. Alors, ce casque s'appelle une bourguignotte. Dans les armes, il y a toujours un vocabulaire très très précis et aussi précis que vague, puisque en fait, on sait reconnaître les objets, mais on ne sait pas très bien pourquoi ils s'appellent comme ça. Le dictionnaire de Furetière nous dit que ce sont les bourguignons qui ont les premiers utilisés ce type de casque. Et voilà, c'est tout ce qu'on en sait. En tout cas, dans d'autres langues, le mot fait aussi référence à la Bourgogne, qui s'appelle burgonet en anglais, donc exactement le même mot. Ce type de casque se caractérise par le fait qu'il est ouvert, donc il ne protège pas du tout le visage. Il a une visière et ce renfort en forme de crête, vous voyez, sur le haut du crâne, ainsi que ces éléments articulés qui sont des parties de paragnathide, enfin de protège-oreille. Vous voyez ici d'ailleurs que ça s'arrête un petit peu de manière sèche et on voit le trou d'un rivet, ce qui laisse penser qu'effectivement il devait y avoir un autre élément qui prolongeait de manière plus élégante ce rinceau dans le bas de cette partie-là. Un casque ouvert, c'est un casque de fantassin, donc c'est un casque qu'on porte quand on est à pied. Et vous verrez que ça a son importance puisque cette bourguignotte appartenait à ce qu'on appelle une garniture, c'est-à-dire un ensemble conçu de manière homogène qui comprend une armure complète et un casque fermé qu'on appelle un armet, que je vous montrerai tout à l'heure, qui ont été donc conçus ensemble. Ce qui veut dire que la même armure pouvait avoir des éléments à combiner. Quelquefois, on a deux plastrons, deux cuirasses, une de joute à pied, enfin bon, voilà, toutes sortes de gadgets, on a envie de dire, des boucliers comme ci ou comme ça, et des casques ouverts ou fermés pour différents usages. Alors, cet objet, comme toutes ces belles armes milanaises du XVIe siècle, est mis en forme par restreinte, c'est-à-dire qu'on prend une feuille de métal assez épaisse, un pin de fer aciéré, et en martelant cette plaque, on obtient un creux, et le creux qu'on déforme jusqu'à obtenir ce casque, donc qui est, en dehors des parties qui sont articulées, réalisé à partir d'une seule feuille de métal qui est déformée de l'intérieur, ce qui est un travail qui existe évidemment dans l'orfèvrerie, hein, qui n'est pas propre aux armuriers, mais qui, évidemment, dans du fer aciéré, pose des difficultés techniques plus grandes. On voit très bien à l'intérieur les traces de ce travail, puisque tout le décor que vous voyez à la surface est réalisé en fait à partir de l'intérieur, repoussé. Donc vous voyez évidemment, une fois que la forme a été créée par le martelage, la difficulté de faire ce travail en négatif, surtout pour obtenir un relief aussi saillant
que sur cette pièce. D'ailleurs, le métal est tellement sollicité, tellement contraint dans cet étirement, qu'il arrive qu'il se déchire. C'est le cas ici, vous voyez, j'allais dire le sculpteur, l'armurier a voulu obtenir un relief tellement fort, avoir un plan plus que perpendiculaire pour faire cette moustache là du masque grotesque, et il est passé au travers, donc il y a un jour on peut observer. D'autre part, il a dû avoir un problème aussi au moment de fabriquer cet objet, puisque vous voyez qu'il y a comme une sorte de pièce avec des rivets pour couvrir la nuque. Donc le métal là aussi a dû se déchirer, ou il a dû estimer nécessaire de renforcer cette partie. Ces rivets à l'intérieur avaient aussi une autre fonction, c'est de maintenir la doublure, la garniture de cuir ou de textile, qui évidemment protégeait la tête du contact direct avec le métal. Alors, ce casque est attribuable avec une assez grande certitude à un membre d'une dynastie d'armuriers milanais qui s'appelle les Negroli. Il y a plusieurs grandes familles d'armuriers milanais, mais les Negroli sont sûrement parmi les plus importants, puisque plusieurs membres de leur famille ont inventé ce concept des armes à l'antique. C'est-à-dire au moment où la guerre est en train de changer complètement de visage, avec l'introduction des armes à feu portatives, on a ce désir de faire de l'armure moderne quelque chose à l'antique. Et on voit donc apparaître de nouvelles formes de casques, d'armure et de boucliers, et aussi de nouveaux décors à l'antique qui imitent soit le répertoire des formes de l'Antiquité, soit même des parties d'armure antique. On connaît cet atelier depuis la fin du XVe siècle. Et l'un d'eux, Domenico Negroli, est associé à la famille Missalia. Et c'est intéressant parce que ces Missalia étaient les fournisseurs des Français en particulier. Et quand les Missalia ferment leur boutique, c'est repris par les Negroli, mais on a la liste de tous les débiteurs des Missalia, et on trouve Bayard, Brissac, Guillaume de Cré, Antoine de Bussy, donc des Français qui n'ont pas payé leurs armes ou leurs armures aux Missalia. Les Negroli reprennent cette clientèle, et il y a cette connexion très particulière de cette famille d'armuriers précisément avec la France et avec les commanditaires français. Par exemple, on a au moment de la capture de François Ier, à Pavie, une liste qui est établie par Luigi Negroli des impayés de François Ier. Le plus célèbre de la famille est Filippo. Non, c'était très bien. Filippo Negroli, qui est vraiment l'inventeur le plus extravagant, j'allais dire, de cette dynastie, qui crée certaines des œuvres les plus extraordinaires pour l'empereur Charles Quint, qui se trouve à l'Armeria Real de Madrid aujourd'hui. Vous voyez cet extraordinaire casque clos dont la partie inférieure imite le visage de l'empereur lui-même, avec cette chevelure complètement à l'envers, et la visière qui se transforme en cette espèce de tore de laurier de couronne impériale. Il existe une bourguignotte de Filippo Negroli qui est signée, donc qui est certaine. C'est la difficulté avec ces armuriers, c'est qu'effectivement on a des œuvres très importantes qui sont documentées par un paiement ou par une commande, par exemple, et quelques très rares œuvres qui sont signées. C'est le cas de cette bourguignotte qui est même datée de 1543, qui se trouve au Metropolitan Museum, et on retrouve dans le fond ce qui va être le répertoire utilisé par un de ses neveux, l'auteur de notre casque, qui s'appelle Giovanni Paolo, avec l'idée de transformer cette crête, donc qui est une chose pratique qui sert à rigidifier le casque, dans un motif extravagant. Vous voyez ici, dans le casque de Filippo,
ce masque, qui est un motif qu'on va retrouver dans toutes les créations des Negroli et pas seulement, et cette espèce de grande sirène ou je ne sais quoi, dont le corps se transforme en feuille sur cette crête, qui est une idée finalement assez similaire ou parallèle à celle de ce mascaron dont la chevelure se prolonge en cette espèce de crête de punk là sur le sommet de notre casque. Voilà cette figure vue d'au-dessus. Je vous montre pour que vous voyez la grande similitude de l'idée de la composition, c'est-à-dire de souligner l'axe principal par cette grande figure très très en relief, et le reste étant tapissé de ces rinceaux à l'antique, avec c'est là dans ce petit compartiment que se trouve la signature difficile à lire de Filippo Negroli et la date de 1543. Alors ici, toujours sur la bourguignotte de New York, ces motifs de rinceaux qui sont beaucoup plus, j'allais dire brouillons, enfin c'est un peu exagéré, mais voyez vagues sur la bourguignotte du Louvre, mais qui chez Filippo Negroli sont exactement comme l'architrave d'un temple d'époque d'Auguste, copié très exactement avec ces figures de putti qui jaillissent de ces rinceaux et extrêmement vigoureusement, j'ai envie de dire, dessinés et organisés. Voilà un autre exemple de ces casques issus de l'atelier des Negroli à l'antique, avec ces effets de mufle, de lion, et vous voyez ici la volonté d'imiter ou d'évoquer très précisément un casque romain de l'Antiquité. Alors, pour en venir plus précisément à Henri II, Henri II a possédé un certain nombre d'armures issues de ses ateliers. On conserve au musée de l'armée cette extraordinaire armure réalisée pour Henri II dauphin, c'est-à-dire avant son couronnement. Et donc, vous voyez l'extraordinaire richesse du décor d'argent incrusté dans l'acier bleuie. À ce propos, il faut dire que cette mode de ces armures extraordinairement riches est une mode très très fugace qui appartient entièrement au XVIe siècle, où l'armure fait vraiment partie du costume masculin. C'est-à-dire que les gens vont se faire portraiturer en armure même s'ils ne sont pas sur un champ de bataille, ce qui est une chose qui n'existe pas avant ni après. Et ces armures sont à la fois utilisables, mais ont, j'allais dire, comme une Ferrari de collection est une voiture utilisable. On peut rouler avec, mais on ne les collectionne pas nécessairement pour s'en servir, mais pour être vu avec. Et ça explique que ces armures sont montrées dans des portraits, étaient portées dans certaines occasions, mais leur rôle purement martial n'est pas toujours évident, sachant que les souverains ont toute une panoplie de ces armures, certaines qu'ils utilisent pour la guerre, qui peuvent être très belles mais plus simples, et ce genre d'armure à l'antique, métal repoussé, qui est malgré tout relativement fin, qui sont uniquement destinés à la parade ou même à l'apparat, c'est-à-dire ce qu'on appelle les armures de parement, qui étaient simplement présentées sur un mannequin et qui n'étaient jamais endossées par personne. C'est assez curieux d'ailleurs, par parenthèse, de voir que non seulement l'armure imite le costume, les effets du textile, des boutons, des manches, mais on a aussi des cas vraiment indubitables où on voit que c'est le costume qui imite les effets et les types de décors qu'on trouve sur les armures. Donc il y a vraiment dans ce milieu du XVIe siècle un moment très particulier que ces objets de très grand luxe occupent dans l'image que les souverains donnent d'eux-mêmes. La nôtre ne revient pas donc ni à Filippo, cette bourguignotte, ni à Francesco, mais à un autre membre de cette famille qui s'appelle Giovanni Paolo, qui est mort en 1569 et dont on connaît qu'un seul objet certains,
qui est ce plastron de cuirasse conservé au Metropolitan Museum et dont vous voyez ici qu'il est signé Paulus de Negrolis, mais fekit. Et c'est à partir de ce seul objet qu'on a pu recréer une toute petite partie de l'activité énorme de ce grand armurier milanais. C'est un neveu donc, de Filippo, et un de ses frères arrête de fabriquer des armes et s'occupe des aspects commerciaux, en particulier de leur branche de Paris. Et on a des comptes conservés où on voit que, par exemple, pour le duc de Guise en 1552, il fournit 100 cuirasses, 100 morions en blanc et toutes sortes d'autres accessoires de la guerre, des poires à poudre, des épées, toutes sortes d'objets dont on n'a aucune idée aujourd'hui. Et après sa mort, donc en 1569, on dresse l'inventaire du stock restant à Paris. Et rien que dans leur boutique à Paris, il y a plus de 2300 pièces d'armure de ce Giovanni Paolo Negroli. Donc vous imaginez la masse de choses aussi très simples, sûrement pas ornées comme ça, qui ont été importées en France. Alors, si on compare justement cette pièce de New York, ce plastron de cuirasse, on retrouve tout ce vocabulaire de rinceau qui est très tapissant et qui sont moins architecturés que chez Filippo Negroli, qui semble très caractéristique de la manière de ce maître. Je voulais vous remontrer une photo de l'intérieur de la cuirasse de New York. Donc vous voyez très bien la très grande vigueur avec laquelle le décor est repoussé de l'intérieur, ce qui est évidemment beaucoup plus facile dans le cas d'une pièce qui s'ouvre comme une cuirasse. Et je vous remontre ici, par comparaison, l'intérieur de notre... Voilà, bon, c'est peut-être pas très éloquent. Un autre armet, donc un armet, c'est un casque avec une visière, un casque clos qui est destiné à porter quand on est à cheval au Metropolitan, est attribuable aussi à Giovanni Paolo. On y retrouve cette même manière un petit peu vague de faire les rinceaux et c'est ce goût des masques grotesques. Vous voyez ici la manière dont il a traité la crête de cette armet avec cette masque d'une espèce de lézard grotesque, on dirait une illustration d'Alice au Pays des Merveilles, enfin la fantaisie débridée de ces armuriers. Alors comment sait-on que ce casque a appartenu à Henri II ? C'est grâce à quelques portraits de ce souverain, dont malheureusement la date n'est pas absolument certaine, qui le montrent en train de porter une armure assortie à notre bourguignotte, où on reconnaît ce fond noirci avec ses grands rinceaux, avec des masques, ce masque barbu grotesque. Il se trouve que non seulement on a ce portrait équestre d'Henri II de l'atelier de François Clouet qui le montre dans cette armure, mais que l'armure existait dans une collection particulière anglaise, mais il semble qu'elle ait pris depuis le chemin du Qatar. Voilà deux autres portraits d'Henri II dans cette même armure, ce qui prouve que, bien que l'armure conservée comme notre bourguignotte ne porte aucun signe d'appartenance d'Henri II, il n'y a rien de ses emblèmes, ni de son chiffre, ni de quoi que ce soit, donc elle a peut-être été faite pour lui, mais peut-être pas, enfin en tout cas acquise telle qu'elle. Il aimait apparemment beaucoup cette armure, puisqu'il a choisi au moins trois fois de se faire représenter avec elle. Voilà l'armure elle-même, telle qu'elle a été conservée, et vous retrouvez
comme c'est toujours le cas normalement dans une garniture, dans un ensemble, les mêmes décors, c'est-à-dire ce masque feuillu qui crache le rinceau qui ensuite va courir sur l'ensemble de la surface, et vous les retrouvez évidemment sur l'armet à deux endroits, sur la visière et sur et au sommet de la même manière que sur notre bourguignotte. Et évidemment, quand la visière est ouverte, le premier masque vient rejoindre le second. Voilà le détail de l'armet, et vous voyez la parfaite similitude hein, des deux masques qui confirme enfin que ces deux casques appartiennent donc à ce même ensemble, à cette armure portée par Henri II. Je vous montre un autre détail de l'armure elle-même, c'est la protection du cou, de la cubitière, et vous voyez, c'est le même masque donc qui se promène sur l'ensemble de cette garniture et lui donne son unité. Donc, ces armes, même en ayant été disséminées, on arrive pour ces choses faites en un seul exemplaire pour un commanditaire prestigieux, quelquefois à les recomposer en partie. Donc on n'a aucune trace de cette armure dans les inventaires des Valois ou postérieurs. On ne sait pas ni quand elle arrive, ni quand elle repart. En tout cas, elle devait encore traîner quelque part dans les collections royales, puisque à la fin du XVIIe siècle, un peintre dont on ne connaît pas le nom, qui est autour des filles Boulogne sûrement, a utiliser l'armée pour cette composition pour ce dessus de porte montrant des armes, ce qui laisse penser que ça devait encore être là quelque part, mais on ne sait pas quand éventuellement c'est sorti des collections royales. On retrouve la bourguignotte seule dans la collection d'un certain Picard, qui est un personnage très curieux et sur lequel le peu qu'on sait donne assez envie de travailler. Charles-Adrien Picard, qui meurt en 1779 et dont la collection est vendue en 1780. Et comme vous le voyez à l'écran, le catalogue établi par Glomy comprenait toutes sortes de choses assez étonnantes quand même pour un collectionneur de cette génération-là, c'est-à-dire des antiquités égyptiennes, étrusques, grecques, romaines, gauloises et gothiques, donc c'est extrêmement précoce, des armes anciennes et des sauvages, etc. Ce Picard, on en sait assez peu de choses. Il est mieux connu des bibliophiles parce qu'il a eu des manuscrits très importants qui sont rentrés ensuite à la Bibliothèque nationale et à l'Arsenal. Et il avait aussi quand on lit le catalogue de la vente, on y trouve de l'orfèvrerie gothique, comme c'est annoncé, des ivoires, mais des sculptures du mont Athos, des icônes russes, des peignes en bois, enfin tout un bric-à-brac qu'on s'attend à trouver chez un peintre romantique, mais pas chez un curieux du milieu du XVIIIe. Il y a même des grès allemands, des sceaux, enfin des choses tout à fait étonnantes. On y trouve aussi une épée qui est supposée venir de Marignan, et à l'épée était attaché un extrait de Voltaire racontant la bataille de Marignan. Donc cette idée de faire le lien entre des objets qui n'ont plus d'histoire et l'histoire nationale, qui va devenir centrale pour comprendre la peinture de Révoil, existe déjà au milieu du XVIIIe siècle. Je vous montre, oui, une des rares choses qu'on sache de ce monsieur Picard, c'est qu'il a écrit une lettre anonyme mais publiée à Caylus à propos de deux bizarreries qu'il avait dans sa collection, extrêmement mystérieuses, vous voyez, dont avait un cachet avec des signes kabbalistiques et une figure de Mercure très très bizarre. Et il y a toute une lettre adressée à Caylus, de monsieur M à monsieur M, sur la signification, la date et l'usage de ces deux objets. Donc sous le numéro 193, on trouve un casque de fer dans le goût de ceux des anciens Grecs. Ce morceau pourrait bien, je continue à lire la notice, ce morceau pourrait bien servir de modèle à un peintre pour représenter le casque d'Alexandre à cause des cornes de bélier, symbole de Jupiter Amon, dont ce prince prétendait être le fils. Vous les avez vus, ce sont ces deux petites cornes de chaque côté du masque. Alors ce Picard, vous voyez ici
un autographe, avait d'autres armes dans sa collection, des choses même très importantes, une paire d'étriers de François Ier qui se trouve à Écouen aujourd'hui, une autre poire à poudre qui est arrivée par un autre biais chez nous, et un très beau bouclier repoussé également qui a trouvé le chemin de la Wallace Collection à Londres. Et c'était drôle que Glomy écrive ça en 1780 à propos de son usage possible par un peintre, puisqu'effectivement, on la retrouve en 1784 dans un tableau de Jacques-Louis David, qui montre donc Bélisaire demandant l'aumône. Donc là, c'est d'autant plus drôle si David pensait que ce casque représentait le casque d'Alexandre, donc vraiment du général victorieux par excellence, et où ce casque devient en plus une espèce de symbole de Bélisaire autrefois victorieux et aujourd'hui réduit à la mendicité. Vous voyez le détail du casque présenté à l'envers par cet enfant qui sert de guide au vieux général aveugle. Alors, ça a été l'occasion de se poser la question de est-ce que d'autres peintres de cette génération-là avaient des armes dans leurs ateliers ? Et c'est assez étonnant de voir que c'est un cliché, évidemment, du XIXe siècle, que ces ateliers avec des sabres et des bouts d'armure accrochés, mais on en trouve presque chez tout le monde. Par exemple, chez Jean-Baptiste Leprince, spécialiste des sujets russes et chinois, on trouve, dans sa vente après décès en 1781, une collection d'armes offensives et défensives de différentes nations, comme casque, bouclier, sabre, épée, poignard, pique, carquois, flèche, etc., massue et autres. Chez Jean-Baptiste Lepan, qui était le peintre du Condé, et qui avait été d'ailleurs militaire avant d'être peintre de bataille, on trouve dans sa vente en 86, après décès, une cuirasse en acier, un casque en fer, un canon, des fusils, des sabres, des pistoles, etc. C'est aussi le cas chez Nicolas Guy Brenet, chez qui l'on trouve un casque composé d'une armure, de cuirasses, de brassards, etc. Et évidemment, c'est le moment où on commence à vouloir montrer l'histoire nationale de manière plus véridique, et on a besoin de ces accessoires, comme dans La mort de Du Guesclin, commandé pour le futur Louvre à Brenet et réalisé en 1777. Et on trouve aussi ça chez Vincent, chez Ménageau, chez tous ces peintres de l'entre-deux, j'allais dire, donc à cheval sur le 18e et le 19e siècle. Alors, c'est assez amusant parce que, juste en passant dans les salles du Louvre, de ce tableau peut-être auquel je n'avais pas accordé toute l'attention qu'il mérite, commandé pour Saint-Denis, qui rappelle la visite de Charles Quint à Saint-Denis en 1540, où François Ier lui fait les honneurs de la maison. Et on voit que François Ier porte à la ceinture une dague de Lansquenet. Je vous montre un exemple qui est dans notre collection. Donc, Gros ne devait pas savoir que c'était une arme typiquement allemande et de Lansquenet, sinon je pense qu'il ne l'aurait pas mise à la ceinture du roi de France, mais pour dire qu'il y a tout ce nouvel intérêt pour cette exactitude. Alors le champion hors catégorie de cette activité, c'est sans conteste Pierre Revoil, dont je vous cite ici l'espèce d'épitaphe un peu grinçante écrite par Courageau, donc un de nos prédécesseurs, qui a fait réémerger sa figure de l'oubli total dans lequel il était tombé à la fin du XIXe siècle. Pierre Revoil est un artiste justement oublié. Son nom, profondément inconnu de la foule, fait sourire aujourd'hui ceux qui n'ont pas le droit d'ignorer son existence. C'était le peintre favori des hommes de lettres, précurseur du romantisme. Sa renommée fut très grande sous le Premier Empire et sous la Restauration. Un des premiers, il mit en scène et en musique le troubadour Abricot. Et certes, le troubadour ne fut pas un gras de son vivant. Mais à présent, ils gisent tous deux sous la même dalle. Le ridicule les a frappés simultanément d'un coup dont on ne revient pas. Donc ce Revoil lyonnais, qui reçoit une bonne éducation, se trouve, au moment de la Révolution, ses parents fabriquent, sont pelletiers, vendent des fourrures, donc évidemment, sa période n'est pas faste, et il se trouve contraint de travailler dans une fabrique de papier peint, à peindre des emblèmes révolutionnaires, ce qui peut-être a fait de lui un royaliste fervent dans la suite de sa vie.
Il parvint à rentrer dans l'atelier de Jacques-Louis David à Paris, où il poursuit son éducation à partir de 1795. Et cette formation dans l'atelier de David sera une chose dont il parlera toujours avec beaucoup d'éloges et d'admiration pour ce grand artiste. Et par un hasard d'une donation, on a aux objets d'art ce vase soi-disant antique, mais en fait qu'on croyait antique, en tout cas au début du 19e siècle, offert par Révoil à son maître David, et Révoil a fait appliquer une plaque en argent qui dit « Révoil offre au génie de David ce vase antique ». Il est nommé professeur puis directeur de l'École des Beaux-Arts de Lyon, et considéré par les Lyonnais comme le fondateur de l'École lyonnaise de peinture du 19e siècle. Voilà ce que dit Genot, un de ses élèves, dans l'éloge mortuaire de son maître. Révoil avait une prédilection marquée pour le Moyen-Âge, auquel il a demandé le sujet de la plupart de ses tableaux. Fidèle à ce goût, il s'était créé une collection d'objets précieux de cette époque, cuirasses, armures, bahuts, vases, tentures, tableaux, manuscrits. Chaque pièce de ce musée était pour nous, de sa part, l'objet d'une instruction. Il nous en expliquait l'origine, l'emploi, la valeur artistique, et nous en faisait reproduire quelques-uns par le pinceau. Voici l'atelier de Revoil à Lyon en 1817. Et on sait donc, grâce à Aubin-Louis Milin, qui en route vers l'Italie s'arrête à Lyon et visite l'atelier de Révoil, que son cabinet, qui est l'endroit où il vit, était attaché à son atelier, était vu comme une chose, un élément indissociable de sa pédagogie. Il a publié le compte-rendu de cette visite, qui est le seul témoignage finalement qu'on ait de cet arrangement des objets chez Révoil avant leur arrivée au Louvre, dont je vais dire un mot dans un instant. Et je vais vous lire cette description publiée par Milin, donc en 1811. « J'avais aussi connu M. Révoil à Paris lorsqu'il avait exposé son charmant tableau de Charles Quint à la cour de François Ier. Je savais qu'il compose des romances ingénieuses sur les sujets toujours nobles et piquants de ses tableaux, et qu'il chante avec goût comme il peint avec grâce. Mais je n'avais point d'idée de l'étendue de ses connaissances et de l'heureuse direction qu'il leur a donnée vers le bel art qu'il cultive avec tant de succès. Cet artiste vraiment digne de ce nom, par son application constante et ses études suivies, n'a rien négligé pour s'instruire des mœurs des Français. Son cabinet, voisin de son atelier, paraît être une chambre du XVIe siècle. Aussi croit-on y trouver un élève des grands maîtres que cette époque a produit. Le fond est occupé par une tapisserie singulière qui est un ouvrage du milieu du XVe siècle. Elle a appartenu au cardinal de Richelieu, qui l'a conservée par curiosité et paraît avoir été fabriquée à Arras, où on a copié les tableaux de Raphaël et fait tant d'ouvrages précieux du même genre. » Donc, je montrais les objets tels qu'ils nous sont parvenus de sa collection. Autour de cette tapisserie règne un banc terminé par des accoudoirs de Stahl dont la sculpture est du même temps. Une espèce de chair en bois, placée au milieu de ce parloir gothique, produit un effet pittoresque. Des armes variées forment sur les murs de riches trophées. J'admirais surtout une très belle armure d'acier d'un travail presque miraculeux par la richesse et la perfection des arabesques, qui n'ont cependant rien que de grand et de largement taillé, ce qui est rare dans la sculpture moderne. Le dos est plus beau encore que le poitrail, ce qui peut faire présumer que l'artiste avait commencé par la pièce principale, mais qu'il s'était instruit lui-même en travaillant, et que plus il avançait dans son entreprise, plus il approchait de la perfection. Je vous montre ici le dos donc, de cette cuirasse qui est conservée au Louvre, et ça, c'est la cuirasse que je vous ai montrée tout à l'heure de Giovanni Paolo Negroli, et il se trouve donc par le hasard, Révoil avait réuni deux œuvres de cet armurier extraordinairement rare, dont on connaît cinq œuvres dans le monde, donc il y en a deux au Louvre, dont cette cuirasse complète. Et vous voyez que la similitude complète entre la cuirasse signée et notre cuirasse fait que l'attribution ne pose aucun doute. On a un exemple de l'emploi de cette cuirasse comme accessoire pédagogique dans l'atelier de Révoil, puisque Jean-Claude Bonnefond n'a pas craint de s'en revêtir pour faire son propre autoportrait. Il avait 16 ans quand il était dans l'atelier de Révoil. Vous voyez un petit peu à la manière de Rembrandt, ou plutôt de Grimoud peut-être, cet autoportrait qui est toujours conservé au musée des Beaux-Arts de Lyon.
Alors, je redonne la parole à Milin, qui dit « La crosse émaillée gothique et assez grossière d'Imbert, dauphin de Viennois, contraste à merveille avec ses armures éclatantes. » Vous voyez ici comment Revoil faisait copier à ses élèves, toujours le même Bonnefond, les objets de sa collection. C'est le tableau de Bonnefond est au Louvre. Des bahuts du XVIe siècle, dont l'un a encore sa serrure primitive, renferment ou supportent un grand nombre d'objets plus ou moins anciens, tels qu'une dame à jouer qui doit être du XIIe siècle, plusieurs peignes de buis sur lesquels il y a des inscriptions galantes. Ils paraissent du temps de Charles IX et semblent avoir été des dons d'amour ou des gages d'amitié. Monsieur Revoil possède encore des bassins aussi curieux, entre autres, un qui ressemble à celui du cabinet de M. Fauvet que Montfaucon a gravé pour donner la figure d'un ménestrel jouant du rébec. Un autre, qui est du temps de Saint-Louis, porte les armes des maisons de Lusignan, de Dreux, d'Aragon, de Champagne, de Turenne et de Castille. Ce sont ces bassins qu'on nomme gémélions, qui sont conservés au département des objets d'art. Une riche collection d'anneaux et de sceaux est un digne accompagnement de tous ces objets de notre histoire. Tous ces objets ne sont point pour M. Revoil de futiles amusements ou des objets d'une vaine curiosité, mais des sujets d'étude. Il sait les employer habilement dans ses ingénieuses compositions. L'anneau que Charles V présente à la Duchesse d'Étampes dans son beau tableau a été peint d'après une bague en or qu'il a dans sa collection de bijoux. Le cornet, dont sonne un des varlets de Du Guesclin dans le tableau dont je vais parler, est une copie d'une corne d'ivoire semée d'aiglons qui est suspendue dans son intéressant cabinet. C'est ainsi que Léonard de Vinci et les grands peintres de l'Italie ont uni le goût des lettres à l'amour des arts. C'est à cet attrait pour l'histoire que notre jeune artiste doit la vérité de costume et la richesse de détails qu'il sait mettre dans ses compositions. Sans doute, cela ne fait pas le mérite réel d'un tableau. Ce mérite consiste dans la pureté du dessin, la beauté du coloris, la grâce ou la force du style. Mais cette vérité de mœurs et d'usage répand un grand intérêt sur les sujets historiques. On en aura la preuve quand M. Revoil exposera son beau tableau de Du Guesclin, remportant le prix d'un tournoi sur 15 chevaliers et reconnu par son père au moment où il lève sa visière. Celui où il a peint René d'Anjou, ce roi artiste traçant son portrait sur la porte de la chambre dans le château de Palamède de Forbin en reconnaissance du bon accueil qu'il en a reçu. Et le bon roi Henri portant ses enfants sur son dos en place de cheval de bois qui viennent de casser et dit à l'ambassadeur d'Espagne « Monsieur, vous êtes père ?»« Oui, eh bien, je vais continuer. » J'emporte la description complète de ces beaux ouvrages, mais je ne dois pas, par un zèle indiscret, nuire au plaisir que le public éprouvera à les voir et trahir le secret de l'amitié. Donc effectivement, voilà le tableau mentionné par Milin, qui s'appelle « Un tournoi au XIVe siècle » avec Charles Quint, Du Guesclin, qui relève sa visière, et vous voyez le varlet, comme dit Milin, le héros qui sonne de ce corps d'ivoire, qui est un corps évidemment bien antérieur, mais ça, à l'époque, ce n'était pas encore très mis dans une perspective aussi exacte. Le comte d'Artois, le futur Charles X, a vu la collection à Lyon en 1814, et c'est lui, arrivé au pouvoir, qui en fera l'acquisition pour le musée du Louvre. En attendant, Revoil est protégé du comte de Forbin, qui lui avait commandé le tableau de Palamède de Forbin recevant le René d'Anjou. Et c'est grâce à cette puissante protection, puisque à partir de la Restauration, c'est le directeur des musées royaux, que Revoil vit et même survit, parce que sa peinture devient de plus en plus démodée, évidemment, avec le passage du temps. Donc, grâce aux intrigues de Forbin, il arrive à obtenir pour la convalescence de Bayard, que vous voyez ici, le second prix de genre secondaire, selon les termes de l'époque, et on voit qu'il a fallu que Forbin pousse assez fort pour le faire donner à son protégé. Dans la convalescence de Bayard, vous voyez le héros qui attend de se rétablir et qui n'est pas du mal à se distraire, même en la compagnie de ces charmantes jeunes femmes. Et il y a tout un tas d'armes qui attendent le retour du guerrier. Et on voit au premier plan, ici, une hache d'armes qui vient de la collection de Revoil et qui est très intéressante parce qu'elle est fausse. Et donc, une fausse arme de la Renaissance avant 1810, c'est quand même tout à fait remarquable.
au même salon de 1817, la duchesse de Berry achète le petit tableau que j'ai mentionné tout à l'heure dans la description de Milan, Henri IV jouant avec ses enfants. Ce genre de sujets anecdotiques, historiques et un peu sentimentaux qui ont été le fonds de commerce de Révoil. Dans les années 20, malgré tout, il a du mal à... il avait beaucoup de difficultés financières et il décide de se retirer sur ses terres. Sa femme avait des terres vers Aix-en-Provence et continue à peindre, mais abandonne son poste de professeur à Lyon. Alors il y a pas mal de ses tableaux dans le sud-est de la France qui sont liés à cette période où il vit à côté d'Aix-en-Provence. Vous voyez ici François Ier Armand, son petit-fils François II, dans lequel on arrive à aussi retrouver certains objets provenant de la collection du peintre. Ces difficultés deviennent telles que, d'accord avec Forbin, directeur des musées royaux, ils mettent en œuvre l'idée de faire acheter par l'État sa collection pour le musée du Louvre, qui avait été laissé un peu vide, il faut dire, après la restitution de tout ce que Napoléon avait prélevé en Europe. Le comte de Clarac, qui est à l'époque le conservateur de la sculpture antique et moderne, fait un rapport sur cette collection, dit qu'elle comprend 400 numéros, ce qui fait en fait beaucoup plus d'objets. Et il signale déjà notre bourguignotte, la cuirasse que je vous ai montrée tout à l'heure, une épée de Benvenuto Cellini, soi-disant, une poire à poudre de Jean Goujon, qui est un faux, malheureusement, mais aussi des objets extraordinaires qui sont arrivés grâce à Révoil dans nos collections, comme ce chef-d'œuvre de l'art médiéval qui est le ciboire d'Alpay. Il signale évidemment les plates Palissy, les émaux, dont certains avaient déjà été publiés par Montfaucon ou par Villemain, les médailles, les ivoires, les sceaux, les reliquaires et les crosses. Alors pour vous donner une idée vraiment extrêmement rapide de la variété de cette collection de Pierre Révoil, on y trouve des majoliques de la Renaissance italienne, des ivoires byzantins, des médailles de Pisanello jusqu'à la fin du XVIIe siècle, aussi de ces médailles ou de ces jetons germaniques que Charles Sauvageau aimera aussi beaucoup collectionner, des montres, des bijoux, de la verrerie, cette coupe de Saint-Porchaire aux armes d'Henri II, des émopins de la Renaissance, et évidemment, plus tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, du mobilier, des armes, et plus des objets tout à fait étranges qu'il pensait médiévaux, mais qui ne le sont pas. Par exemple, ce curieux coffret d'ivoire fabriqué à Ceylan au XVIIe siècle pour l'exportation vers l'Europe, qu'il croyait gothique. Et peut-être encore plus étonnant, cette paire de couverts sapi, donc c'est fabriqué en Sierra Leone à la fin du XVe siècle pour les Portugais, pour être exporté vers l'Europe, et que Révoil pensait gothique, qui sont déposés maintenant à Écouen. L'ensemble est acquis pour 60 000 francs, ce qui est une somme vraiment considérable pour l'époque, et avec une absence de discrimination sur le contenu qui est remarquable, puisque la liste qui est faite par Révoil lui-même, qui décrit toujours une épée du plus beau travail et du meilleur temps, une autre encore plus remarquable par sa ciselure, enfin donc c'est comme une espèce de catalogue de vente si vous voulez, c'est ce qu'on a recopié verbatim dans l'inventaire. Donc l'inventaire ne fait que répéter ce que Révoil avait dit lui-même de sa propre collection. Malgré tout, ça n'a pas suffi pour faire sa fortune. Et la catastrophe, pour lui, c'est la révolution de 1830, puisqu'il refuse de prêter le serment qu'on demandait à tous les fonctionnaires de prêter en tant que directeur, professeur à Lyon. Et il décide avec beaucoup sinon de grandeur, de hauteur, en tout cas, de partir en exil avec toute sa famille, où il vit dans des conditions de plus en plus difficiles. Il fait des petits dessins pour vivre, et ils vivent sur les quelques terres qu'ils ont et l'argent de cette vente. Finalement, vers 1838, c'est-à-dire on est presque à la fin de sa vie, l'État se souvient de lui et décide de lui faire deux grandes commandes pour le musée historique de Versailles, autant pour le soutenir que par un besoin réel. Et on achète au salon de 1841 ce petit tableau de l'enfance de Giotto, où Giotto dessine des moutons
et découvert par Chimabue dans la campagne, comme vous savez peut-être. Et on a d'ailleurs, on dit, pour aider Revoit le malade, on achète ce tableau qui se trouve à Grenoble aujourd'hui. À partir du moment où Revoil peut espérer avoir des commandes, il revient s'installer à Paris, où il vit dans une chambre de bonne, littéralement, dans un grenier, rue de Seine, avant de s'installer rue de Vaugirard, où il meurt vraiment dans des conditions très modestes, en 1842. Alors c'est assez, on peut vraiment se demander si, étant à Paris, il est allé voir au Louvre sa collection installée. On sait très peu de choses sur la manière dont cette collection était installée avant le Second Empire, mais on a cette vue où on devine certains meubles provenant de la collection Revoil. En tout cas, il était voisin, et c'est tellement paradoxal de voir que cette collection a été une telle source d'inspiration, non seulement pour les artistes ensuite, et pour les collectionneurs qui, des générations successives, alors que son inventeur, son concepteur, était un peintre complètement oublié et sa peinture complètement invendable. Alors pour en revenir à notre bourguignotte et pour terminer, qu'est-ce qui s'est passé après son arrivée au Louvre ? Eh bien, on a envie de dire pas grand-chose, puisque... le Louvre, dans ces années-là, a subi une série de transformations, en tout cas pour ce qui concerne la présentation des objets d'art, qui ont été, au début du Second Empire, la donation faite par Charles Sauvageau, donc l'installation de la collection Sauvageau à partir des années 50-60 du 19e siècle. Et l'autre événement qui a coïncidé avec cela, très traumatique pour notre collection d'armes, ça a été la décision de créer un cabinet impérial d'armes pour Napoléon III, d'abord aux Tuileries et ensuite à Pierrefonds. Et pour ce faire, Napoléon III a acheté la collection Soltikoff, mais a surtout prélevé tout ce qu'il pouvait prélever dans des collections préexistantes, dont la collection du Louvre. Et cette bourguignotte, comme beaucoup de nos armes, est partie pour Pierrefonds, où elle a été comme noyée dans cet ensemble du cabinet impérial. À la chute du Second Empire, tout est revenu de Pierrefonds en caisse, où ça reste pendant 5 ans en caisse, parce qu'on ne sait plus ce qu'on doit rendre à la famille impériale, avec quel argent ça a été acheté. Il y a tout un procès très long. Les armes sont finalement représentées au Louvre seulement dans les années 1890, mais... il faut dire que c'est déjà une période où la mode de ces armes pour leur intérêt artistique est en train de décroître, et on ne va plus penser qu'il est utile, comme au temps de Sauvageau par exemple, de montrer pour le développement de l'art en France une targette, une épée, une assiette et une aumônière côte à côte dans une vitrine. Donc les armes vont trouver presque définitivement le chemin de la réserve dès le début du XXe siècle. Et c'est en fait seulement dans les années 1990 que José Godoy, qui est conservateur à Genève, et Stuart Peer, qui est conservateur des armes à New York, ont commencé à retravailler sur ces Negroli et ces armuriers milanais, et ont redécouvert, comme David ou Picard l'avaient fait, cet objet dans nos réserves qui n'était pas exposé. Et c'est leur travail qui a, en quelque sorte, enclenché ce travail de recherche que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Merci.